Là on est reparti, salut à tous, salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Jurassic World Evolution, DLC retour à Jurassic Park. On va poursuivre l'expansion du parc. On était en train de peupler l'enclos des brachiosaures et des mammachisaurus de Gallimimus pour leur donner un peu de compagnie. Par contre je crois que je leur ai pas mis de trucs de bouffe. On va essayer de corriger le tir rapidement. Donc on va mettre deux petites mangeoires et herbivores taille XL, on voit grand. Et en plus ça tombe bien, Alan Grant nous a donné une mission de transférer des dinosaures. Et ben on va lui en transférer. Voilà. On en remet deux. Je pense que si je fais des ankylosaures à un moment. Mais je sais pas où je les mettrai. Peut-être sur un côté, là, en attendant. Après, certains vont me dire, oh, mais tu te concentres beaucoup sur le centre de l'île. Mais justement, c'est là où le plus gros du tracé est. Donc, je pense que se concentrer là-dessus, c'est pas un mauvais plan, en fait. Puis là, tu vas avoir quatre enclos majeurs de prédateurs. Il m'en resterait encore combien de faire de gros prédateurs? Il y a le métriacanthosaure. En vrai, je pourrais en mettre un là. Pourquoi pas en imaginer un ici? Justement, puisque il y a de l'eau, donc mettre le métriacanthosaure là, ça pourrait être pas mal. Hein. On va essayer, on va aller jusqu'au bout. Donc là, déjà, on va aussi virer ça, plus besoin. Et vu le nombre de dinosaures, je pense qu'une seconde équipe de garde, ce serait pas un mauvais investissement. Alors, est-ce qu'on pourrait la mettre pour que ça soit au mieux? Là, on aurait besoin d'un autre hôtel. Comment ça, clôture en danger? Encore? Mais pourquoi? Il y a un truc qui va pas sur mes clôtures. Pourtant, c'est des clôtures électriques, je comprends pas. Il a tout le confort du monde? Bah non. Et on va mettre une porte aussi en urgence. Là, je sais pas si on pourra. Vite. Il casse les clôtures, mais pourquoi? Je comprends pas. Il est bien et il casse. Ça doit être son plaisir. Alors, je veux voir les nouvelles clôtures là. C'est quoi comme clôture? Clôture électrique à câble. Oh non, il s'est barré, putain. Et les autres vont suivre. C'est vraiment des casse-couilles, les ceratosaures. Tu sais pas pourquoi ils cassent. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Bah non. Ah, et les véhicules sont arrêtés, je suppose. Ça va, le véhicule est en train de passer, donc là c'est bon. S'il re-rentre dans l'enclos, ce serait tellement cool. Oh là là là, mais c'est pas possible. Je vois que mon véhicule est bloqué. Oui, ça fait partie de la visite, c'est normal. Et en plus, il y a un véhicule qui est retourné, qui bouge pas. Ah, il y en a deux même. Ok, bon, pas de panique. On va essayer vite de verrouiller ça avant qu'il se barre. Et de 1. Et de 2. Pfiou.
Ah, il faut débloquer ça, là, ça va pas. Changer de véhicule. Ah, je veux bien, mais je peux même pas te bouger mon véhicule, je fais comment? Non, c'est pas celui-là que je veux. Putain, ma visite elle est cassée quoi, sérieusement. Attends toi. Donne-moi 2 secondes, il y a un petit problème. Attends, admettons je ferme le truc. Ouais, oh putain, mon parc en a pris un coup. Donc là, tous mes véhicules, ils sont morts. Là, il y a un bouchon. Ah bah attends, il y a aussi mon véhicule de garde là qui s'est bien positionné. Bah justement, tiens, il y a une photo là à faire. Chut. Magnifique. Ellie, elle va être ravie. Sans vouloir tomber dans les clichés, je trouve que vous avez atteint votre objectif. Vous avez vu le bordel qu'il y a? Comment essayer de débloquer tout ce bouchon là? Ah, tu pourrais passer là, t'abuses. Allez. Je peux même pas passer, je sais pas pourquoi, laisse tomber. Le jeu qui m'a dit merde. Je peux même pas le débloquer, c'est un truc de dingue. Génial. Encore un brevet pour John Hammond. Mais c'était du beau travail. Il faut bien le reconnaître. Comment vous... Il y a un problème là. Que si... Bon, si je retire la visite, là je me flingue, hein, clairement. Ou alors, attends, j'ai peut-être une idée. Bon, on va grignoter entre guillemets ici. Fais gaffe, en plus, c'est la haute saison. Bah ouais, lol. Donc là, ça marche pas. Je vais essayer d'élargir la voie, justement. Peut-être que c'est à cause de ça qu'il y a du bordel. Trop près d'un dinosaure. Ah, ça redémarre, on dirait. Ah, la voiture, elle s'est débloquée. Bon, ça marche pas non plus, apparemment, je sais pas. Il y a ce véhicule qui est à l'envers. Ah, là c'est reparti, mais bon. Pour combien de temps encore? C'est ça de mes véhicules. Le véhicule de garde s'est barré, ouais. Ah, le volant il est bugué, lol. Bon,
Bon, tant pis, on va laisser comme ça, hein, c'est bon. Tant pis pour... on se fera du fric. Bon, c'était pas le meilleur des moyens, certes, mais... Alors, qu'est-ce qui va pas? Ah bah oui, ma note de visibilité, on prend un coup, maintenant. Si je vire juste ça 2 secondes, ça donne quoi? Oh putain, je perds tout le trajet. Oh. Oh non, pas tout le trajet. Voilà. Est-ce que je vais pouvoir refaire mon truc? Putain, ça serait tellement la baisse, quoi, de pas pouvoir le refaire, quoi. Putain. Mais non, je veux pas de porte, moi. Oh là là, putain. J'essaie de remonter un peu dans le truc, désolé les gars, je fais pas ça, mais là c'est pas de ma faute. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. J'espère 3 minutes ça va suffire. Oh, ça me dégoûte quoi. Je peux pas le supprimer, mon mode, j'aimerais bien. Oh, attends, il n'y a plus rien là. Attends, la piste elle est ouf. Ça y est, c'est bon. Je crois que c'est alors, c'était peut-être un bug, j'en sais rien. Génial, encore un brevet pour John Hammond. Mais c'était du bon travail, il faut bien le reconnaître. Voilà, les 4 là, c'est bon. Et dis-moi que j'ai le baryonyx. Enfin, c'est lié à la mise à jour Fallen Kingdoms. Vous ne me croirez peut-être pas, mais je suis devenu paléontologue parce que je pensais que ce serait amusant. J'aime l'idée de partager mon enthousiasme pour ce monde préhistorique avec d'autres personnes. Malgré mon attitude parfois caustique, je vous l'accorde. Vous et moi, nous sommes sur la même longueur d'onde. Acceptez donc ce cadeau. Et inutile de parler de cette conversation à Ellie. Oui, t'inquiète, je veux rien dire. Qu'est-ce qui se passe là encore? Bah justement, avant de repartir, tu pourrais passer remplir ces deux-là. Et ensuite, tu remontes au centre, c'est bon. Ok, donc on va voir le baryonyx, génial. Qu'allons-nous faire? Ok. Ils sont combien là, les Gallimimus? 1, 2, 3, 4, 5. Il nous en faudra encore 9. Là, il nous en faudra encore 7. Alors, la visibilité des dinosaures, c'est à cause de ça qu'on a baissé, hein, à 4 étoiles et demie. Boissons et tout, ils sont pas contents bizarrement. Et là, on va continuer de se faire de l'argent. Surveille l'Egypte, ouais. Et toi, avant de repartir, est-ce que tu pourrais t'occuper de ces deux enclos, cet enclos-là, s'il te plaît? Quel beau bordel quand même. Là, vous voyez, c'est remonté. Note de la nourriture 63. Comment ça se fait ça? Quels sont mes tarifs? Ça doit être ça. Je vais baisser 2$ par-ci par-là. On se fait tellement d'argent avec les dinos.
Là, on va baisser de 2 $ aussi. Là, c'est fait. Là, c'est bon. Visibilité des dinosaures, c'est remonté à 88, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que vous foutez là? Tous les deux, vous devriez être là. Ouais, les hépatos, ils aiment pas trop le surplus là. Gallimimus et Gallimimus. On vous a pas mis dans le bon endroit, les mecs, désolé. Alors, demandons une livraison là. Voilà. Comme ça, les Dryosaurus, les Compsos et les Apatow, ils vont être bien. Des nouveaux fossiles. Alors, l'or, ça se revend. Ça se revend. Ça se revend. Baryonyx. Baryonyx et Rerazor. Ok. À en croire le jeune On va Dryosaurus, essayer, hein. vous êtes plus que capable. Et vous accomplissez vos missions avec brio. Ce contrat est l'occasion de me le prouver. Mais d'où les boyaux, mes notes de boisson et tout sont qu'à 60. Bon, allez, on va descendre à. Allez, 10 $ le truc. Là, c'est fait déjà. Les toilettes, c'est bon. Là, c'est fait. On va peut-être de baisser de 2 $. Le baryonyx, c'est un génome viable déjà. Ça, c'est cool. De remettre un nouveau truc ici, on va voir comment ça passe. Oh, attends. On est revenu aux 5 étoiles déjà. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Je vais en mettre un dans le doute supplémentaire. Voilà, on va déjà laisser comme ça, les gens verront. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Bon, attends, il y a déjà les deux gugus là qu'on s'était planté à transporter. À la recherche de la Jeep perdue, quoi. Alors, déjà, combien vous êtes les gagnants? Vous êtes 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attends, il en manque un, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 et 3, 9. Ok, donc il nous en faudra alors les deux qui vont arriver, ça fera 11. On va encore en refaire 2, donc 12, 13. Ouais, compte avec Kaiser leur test stream, youhou. Par contre, là, il va nous falloir faire 2 lots, hein. Pas mal. Allez, un dernier hôtel. Je dépense sans compter, hein. Bah, vous voyez mes richesses, hein. Ma trésorerie se porte très bien, donc là je peux faire tout ce que je veux. Alors au niveau des espèces dans le parc, on en a combien sur les 25? On en a 16.
Mais pourquoi vous... Ah, mais oui, c'est la forêt. Merde, j'avais oublié la forêt. Vite. La forêt, nanana. Pour que ça les calme un peu. Mais c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure. J'ai oublié quelque chose et je l'ai pu retrouver. C'est pour ça qu'ils pètent les barrières. Mais là, logiquement, ça devrait être bon. Ouais, ok, on a réussi notre coup. GG, well play. Oh, Rex! SCG Kamos, hein! Avant, je me souviens, on pouvait utiliser le klaxon et tout, mais là, on peut plus. Oh, c'est con, ça. Allez, Rex! Gueule! Voilà. Bah, en fait, c'est important pour leur bien-être, Mitrandir, la forêt. Regarde, c'est une des conditions exigées par rapport à leur terrain. T'as des animaux qui vont supporter d'avoir une besoin d'une vaste forêt. Bon, le cerato, ça va, il en a pas beaucoup. Mais c'est pour le bien-être de l'animal, tu vois. Et son confort. Donc tu as la santé 100%, mais t'as le confort du dinosaure. Allez, les cerato sont en marche, là. Le gang de cerato. Ah, l'autre, il a voulu lui foutre un coup de gueule. Alors, vous êtes ravis, là, hein? 3 cerato, hein, c'est des beaux bébés quand même. Alors ici, Baryonyx. On y retourne. Bario. Par là, fuite. Oh, par contre, la voiture, elle a mangé, hein. Dans le 2, on va s'amuser avec les biomes. Honnêtement, je trouve que c'est une bonne chose, les biomes. Ça va être compliqué à comprendre au début, mais je pense que ça peut être intéressant. C'est même si certains... Bah, je connais un ami streamer qui trouve que bah, ils auraient pu faire ça dans le 1, mais je pense que développer le 2, c'est qu'il y avait une raison particulière. Alors, je sais pas si... Le moteur, je trouve qu'il a pas trop changé pour ce que j'ai vu en vidéo, mais il y a quelque chose. Sinon, ils l'auraient fait sur le 1, je pense. Et je pense que c'est... Est-ce que ce serait pas lié aussi à Jurassic Dominion, justement? Je suis en train de me poser la question. Alors, il y en a combien, là? 3, 6, 7, 8... Alors, 3, 6, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 13... Allez, on en fait un dernier. C'est lesquels qui peuvent pas aller plus de 25, je crois que c'est eux. Hein. Cinq et quatre, neuf. Ah, ils peuvent être 14 en fait. 4, je peux en rajouter 4, je peux en avoir 14 en tout alors. Bon, les comploteurs là. Regardez-moi ça, ils sont en train de comploter contre le culte du grand Xi Jinping. C'est des comploteurs anticommunistes, faut les arrêter. Arrêtez ces gallimimus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 et 5, 13. 14, ce sera bon. Regardez, hop, je le vois, la population. Ils sont classe comme ça en rouge. Ils sont en couleur rouge-marron. Alors. Baryonyx. Raptor, c'est bon. Raptor, c'est bon. Ça ne peut rien faire. Ça non plus. Baryonyx. Baryonyx et encore Baryonyx. Nous avons besoin de plus de Baryonyx. Et j'ai plus de... Il n'y a plus d'autres trucs à rechercher, non, pour l'instant. Ensuite...
on va aller s'occuper de ces enclos là. Allez, on livre le dernier Gallimimus. Voilà, ça en fait 14. Et je pense que là, alors, en attendant dans le Baryonyx à 100%, on va partir sur les Raptors. Je lui mets de quoi? Ah non, je vais pas mettre les motifs Jurassic World, déjà ça c'est sûr. Alors, sachant qu'on a retrouvé des traces de Raptors en Mongolie, j'hésiterai entre le Tundra, non. Je pense que je vais mettre le style aride au niveau du design. Déjà 80, je prends. Là, je suis monté à 158, j'ai cru voir. J'ai eu le 178 passé. Parfait, c'est parti. On va incuber deux raptors. Je sais qu'au minimum, ils doivent être deux dans le parc. Enfin, dans l'enclos. Ici. Bah justement, on va préparer l'enclos. Donc, on va mettre des arbres. Alors, déjà, première chose, on va virer tous les arbres. Tempête, attention. Beware. Donc le raptor, ça va être que de la déco. Hein. Je vais mettre un rocher. Là. Là. Un deuxième ici. Puisqu'ils étaient dans la Mongolie, donc c'était une région assez rocailleuse, je pense. Voilà. Donc ce sera la 17e espèce pour le coup. Ah, dinosaure mort. Où ça? Ah, c'est l'un des pteranodons. Le pteranodon de type alpestre. Alors on va modifier l'apparence. Je les avais mis dans l'ordre les pteranodons au niveau des styles, comme ça permet de montrer la différence de chaque dino quoi. Et la volière qui tourne bien quand même hein. Donc ça c'est le pteranodon de base sans rien hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a un petit truc qui est dommage, c'est qu'on voit pas de visiteurs à l'intérieur quoi. Parce que là en fait tu pourrais voir des visiteurs circuler après. Ah d'accord, on les voit de là. Eh mais enfin. Moi je peux juste les incuber, c'est tout en beurre. Pour les raptors qui débarquaient, il y en a une que je vais appeler obligatoirement Petite Futée, pour ceux qui reconnaissent la référence dans la saga. Donc là ça va être notre 17e espèce, donc on se rapproche des objectifs que je me fixe, hein, bientôt 18 espèces. Et si on a le temps, bah, on va monter à faire toutes les espèces, vu qu'on a tous les génomes quasiment. Voilà. On va aller faire un petit tour chez les Trissés, ça fait un moment qu'on n'est pas allé les voir.
Donc le Tricé-7 s'en sort bien, le 9 aussi. Notre Momon se porte très bien. Il fait sa petite promenade tranquillou. Ah, je peux juste améliorer la volière en capacité de pteranodon, Amber, c'est déjà ça quoi. Mais bon, je pense que à mon avis, dans le 2, ça sera plus poussé. Au niveau de ce qu'on va nous demander. Vu qu'il y aura deux nouvelles espèces volantes. Il y a une espèce que j'aimerais bien. Il y a deux espèces que j'aimerais bien avoir. Ce serait d'abord le Microraptor et l'Archéoptérix. Ah, un deuxième Kikan, c'est lequel lui? C'est l'Océanique, ok. Bon, à un moment, il fallait Kikan, hein. Alors. J'avais dit Océanique. Mais je pense qu'à mon avis, le fait de l'avoir mis sur ce dossier-là, c'était pour expérimenter pour la suite. Alors après, je ne sais pas dans quelle mesure ils avaient calculé leur coût ou quoi, je vais rien supposer du tout. Et là, ça y est, on transmet les premiers Raptors. Un pteranodon à talage adulte, on va le transférer dans la volière du cygne noir. Voilà. Ça y est, notre ami s'est posé, ça y est. Laissez-moi tranquille, je viens juste d'arriver, faites pas chier. N'empêche, dans le 3, quand je... Bon, le film était... C'était pas le meilleur de la première... Enfin, pour moi, c'était le pire de la saga, même s'il avait quand même une bonne idée, une bonne idée derrière la tête. Mais quand je revois la scène des pteranodons, ça me fait flipper. Comment... Surtout celui qui... Oui, il y est, Amber. Justement, je dois avoir un accès bêta, normalement, pour la fin d'année. Je le testerai aussi. Ça, c'est annoncé. J'avais fait la démo il y a très longtemps quand elle était jouable, je me suis inscrit, donc j'espère avoir pouvoir le tester aussi. J'espère qu'il y aura une campagne. Donc là, ça y est, le Baryonyx, c'est terminé. Donc on va pouvoir faire encore une nouvelle espèce de carnivore. Ah, on a toutes nos recherches, tout est bouclé ici. Bon, bah, nickel. Attention, avis de tempête. Il nous reste 40 d'électricité, donc on est large. Donc, elle, je vais l'appeler pour la référence. On va... Oh merde, ils ont pas de bouffe. Aïe, aïe, aïe. Erreur du joueur français. Quelle erreur. Je crois que je vais ramener une voiture, là, parce que, bon... C'est pas que ça devient urgent, mais ça devient urgent. Non, une fusée éclairante, j'ai une idée. Jamais testé les fusées éclairantes, justement, on pourra se faire une idée à quoi ça sert. En général, quand un raptor est en colère, ça sent pas bon. Il te lance une fusée éclairante là-dedans, s'il te plaît. Là, il y a un œuf succès que j'aimerais faire. Si j'arrive à le faire là, ce serait cool, mais il est très compliqué. C'est plus futé que les primates, c'est deux raptors qui interagissent entre eux. Donc ça y est, le deuxième il est là. Je vais juste passer. Bon, je vais vous montrer le skin vite fait pour ceux que ça intéresse. Oh, il est noir en fait en océanique, ça lui va bien, je trouve. Qu'est-ce que vous en dites de son skin comme ça? Je trouve que ça lui va très bien. Donc là, on va rajouter la meute de Raptor, ça y est. Comme ça, on complétera enfin cet enclos qui était vide depuis un moment.
Comment ça? La forêt, là, c'est du bidon? Non, mais faut arrêter un moment. Ils ont une forêt plus longue que moi et ils râlent encore. Ou alors, je devrais peut-être recentrer la bouffe. Je pourrais faire ça au pire. Ah mais il faudrait que je les mette tous. Je vais en mettre un là et un autre là. Ça me fait chier mais bon pire. Pire s'ils ont besoin de forêt pour autant qu'ils aillent vers le centre quoi. Quand même abusé un peu le coup de la forêt, je le digère moyen. Tu veux qu'il y ait quoi de plus en forêt, sérieusement? Je sens les emmerdes arriver avec eux. Dans le doute, je vais quand même enregistrer, bon. Juste une sauvegarde intermédiaire, on va dire. Connaissant les Gugus. Putain, il attaque la clôture, cet enfoiré. Oui, il s'est calmé. Vous êtes chiant, vous. Peut-être faire des sacrifices et non, ça va pas encore. On va mettre quelques arbres par-ci par-là si c'est ça qui vous dérange. Moi, je peux pas faire mieux là. Ah, attends, ça a l'air de l'avoir calmé. Bah, je vais peut-être supprimer les mangeoires à l'intérieur, tiens. Est-ce que ça les a calmés? Ça a l'air. Là, t'as Rex qui campe près de la clôture, il regarde ce qui se passe. CG, il nous fait, King CG Rex, il nous fait son petit tour. Qu'est-ce qu'il sent? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'es content? T'es pas content? Si t'as des revendications, fais-le nous savoir. Il peut vivre encore un moment, notre CG Rex. Hein. Là, on va avoir deux nouveaux raptors. Il faut qu'il y ait un raptor qui se foute au milieu de la piste. Attends, qu'est-ce que nous a fait la bagnole là? Non mais c'est bon les bugs là, ça devient chiant là. Putain. Je m'étais promis de jamais rager sur un Jurassic World, mais là je rage parce que regardez. J'ai juste rechargé il y a 2 minutes. C'est chiant. En fait, il y a un bug. J'ai l'impression que les voitures. Ouais, il y avait le Raptor aussi, tu me diras. J'ai l'impression qu'avec les voitures, quand tu veux les redresser, c'est impossible. C'est ça le gros point négatif que j'ai. Là, les deux premiers vont spawner. Est-ce que là j'avais fait les arbres ou pas? Pas encore, donc on va le faire tout de suite pour être tranquille. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Salut Phasma, ça va et toi? Bienvenue sur ce DLC de Jurassic Park que je suis en train de continuer de mon côté. Je l'ai terminé hier l'émission principale et là je continue de dorner le parc. Je vais essayer de faire toutes les espèces que j'ai à ma disposition. Il y en a 25 en tout et j'en ai actuellement dans le parc, j'en ai 17. Il me reste encore 8 à faire.
Je viens de récemment d'introduire les raptors. Ouais, donc c'est bien un bug hein, qu'il y a avec les voitures. C'est malheureux, mais... Il y a tout dans ce parc. Si tu as des questions, n'hésite pas. Alors, je sais pas si c'est un vrai viewer ou pas, mais merci à cette personne. Merci, Momo Mew. Je me demande des fois s'il n'y a pas des bots qui se font passer pour des viewers là des fois. C'est un peu casse-pied quoi. Merde. Désolé, c'est ma faute, mais à coup de pas. Quand j'ai vu ce nouveau contrat sur mon bureau, j'ai tout de suite pensé à vous. Ah, j'ai déjà regardé les trois premiers, c'est ça que tu me demandes. Ça c'est au programme Ellie Sattler, donc ça tombe bien pour le Baryonyx. J'ai regardé les trois premiers, j'ai regardé donc le 1, le 2 et le 3, j'ai regardé Jurassic World Evolution, bien sûr, le premier. Jurassic World, pardon. Donc, merci de ton follow, Captain Phasma. Bienvenue à toi. Et Rex est ravi, tu viens de lui satisfaire. Donc là, tu as la preuve que j'ai regardé avec cet extrait. Même si pour moi, le moins bon des 5 films connus pour le moment, c'est Jurassic Park 3. Qui pourtant, bah, y avait de bonnes idées sur le papier, mais à l'arrivée, c'est pas, ça a pas bien marché. Je fous 2 Baryonyx. Voilà, très très bien. Et je vais mettre alors une porte ici si jamais je fais coller un autre enclos et une porte en arrière. Et là, on va déblayer le terrain, on va préparer l'arrivée de la future espèce après que j'aurai fait tous les raptors. Ok, donc là, on aura l'enclos des Baryonyx qui sont en face des spinosaures, donc ça va être un beau duel de spinosauridés. Lequel est le plus beau. Ah, je les ai pas encore virés eux. Ça se passe comment pour les mamans? Ils sont calmés, j'ai l'impression. Ça remonte. Si jamais Phasma t'est intéressé, je dis au cas où j'ai mon Discord aussi personnel si ça t'intéresse. Pour discuter avec d'autres gens de la commu, donc on n'est pas nombreux, mais c'est toujours plaisant quoi. Discuter soi-disant en vocal, à l'écrit, comme tu le souhaites. Voilà, c'est de la seconde placement de produit. Alors nous avons un nouveau pteranodon qui est décédé, c'est lequel? Ah, c'est celui qui a pas de. Qui avait pas de. Ah, de gène spécifique. Donc, on va le laisser tel quel. Et alors les raptors c'est bon, maintenant on va refaire 2 de plus. Raptor. Si tu veux jamais, alors j'ai pas encore configuré les commandes. Faudrait que je le fasse un jour. Tiens, ça tu m'y fais penser, bonne remarque. Si tu cliques sur ma bio, normalement tu as le Discord. Au pire, si l'un des bienveillants viewers parmi vous puisse lui donner le lien de mon Discord, s'il vous plaît, ce serait cool. Ah merde. Attends, est-ce que si je fais ça, attends, je vais faire un test. Je sais même pas si ça va marcher. Je sais même plus si ça. Non. Non, je pensais l'avoir configuré, mais pas du tout. Donc, faut que tu ailles au pire dans... Au pire, tu l'as sur, sur ma bio. Tu regardes, tu as là des liens, tu as le Discord de la Sylvanie et tout. Tu le trouves. Tu cliques dessus, tu pourras y accéder. Après, est-ce que tu as l'appli... Est-ce que c'est... Ouais, merci Mitrandir.
Donc ça, il a les deux derniers raptors vont rejoindre la meute. Merde, c'est pas dans le bon sens, c'est pas dans le bon sens. Je vais essayer de choper le succès pour que les raptors se sociabilisent. C'est pas gagné. Non, c'est trop tard. Bon, pas grave, on essaiera de les rechoper une prochaine fois. En vrai, je pourrais en mettre là, regarde. Je pense que je vais mettre une seconde équipe quand même. Ça m'aidera pour plus tard. Mitrandir le bot. Ouais, je suis désolé, Mitrandir, faudrait que je le fasse aussi, honnêtement. Hein. J'aurais dû le faire depuis longtemps, mais bon, faut que je reconfirme le stream, la alerte et tout le tralala, quoi. Ça y est, là, le dernier, il va spawner. Attention, mon pied. Des fois, ils s'engourdissent. Alors, nous avons... Ah, ok. Parce que là, je pense que deux équipes pour tout traiter, ce sera pas trop. Donc là, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Que vous puissiez discuter en vocal ou en texto. Enfin, texto. À l'écrit. Ça fait plaisir. Ça y est, mais le dernier s'est posé. Il est content. On a combien de visiteurs là actuellement? 1789. Ah oui. Attention qu'il n'y ait pas une tête qui tombe. Hein. Oui, elle était nulle. Je vais sortir, je m'en vais. Je vous dis au revoir. Non, je plaisante. Bon. Là, j'ai tout de suite acheté une seconde équipe. Je vais faire précision des gardes. Planning des gardes, ça va être utile. On va en faire 3 de plus. Comme ça, je pense qu'avec 4 équipes pour gérer tout le parc, 4 véhicules, ça devrait être suffisant. Mitrandir est devenu un bug. Qu'est-ce qu'on s'en sort ? Eh, mais tu me trolles, bon, tu t'as envie de me troller, toi, Momon, dis donc. Donc ça y est, là on a tous les raptors, les 6. Et maintenant on va passer à la nouvelle espèce de carnivore. Comme ça je crois qu'on les aura tous quasiment. Il ne nous restera plus qu'à faire le protocératosaure et le métriacanthosaure. Ah non, il nous en restera encore combien de temps? Que je compte bien 2. Là il nous resterait 4 espèces de carnivores, j'ai l'impression. On n'a pas fait le baryonyx encore, le métriacanthosaure, le proto et le herrerasaure. Donc on a encore 2 grands carnivores à caser. Ah oui, notre moment national est très très taquin. Ah, il faut pas te laisser faire, mythe, hein, oh. Attention, monsieur Momon, l'excès de zèle conduit à la chute et à la ruine de l'homme. Le mec. Donc, j'ai une idée pour les 2 autres grands carnivores. On pourrait les mettre là, regardez. Et ça collerait bien. Parce que là, comme ça, on fait un enclos pour un petit carnivore ici. Et là, on coupe en 2 la poire et on met 2 autres grands carnivores. Comme ça, on aura 4, on a combien de carnivores ici? On en a déjà 4, on en a 5, 6. Et ouais, ça ferait une belle boucle. Alors, dans ce DLC-là, alors les hybrides Phasma, ils sont pas présents dans le DLC-là. Parce que là, on est dans le DLC de 1993. À l'époque, les hybrides n'étaient pas encore envisagés. Tu vois. Henry Wu a fait son chemin entre 93 et jusque... jusqu'à nous, voilà. Mais je pense que je serais pas étonné qu'il l'avait déjà dans la tête. Bon, ça c'est facile. C'est une offre à durée limitée. Alors mieux vaut ne pas trop tarder. Il ne vous reste que 65 millions d'années. Bon, on va préparer alors une nouvelle mangeoire. Ne foutez pas la pagaille, ne foutez pas la pagaille.
évaluation, menace. Bon, ça, ils se sont barrés, c'est cool. Ah, bravo. Ah, ça, ils vont s'engueuler. Donc, on va commencer à préparer. Alors, c'était où qu'on avait un problème de... J'étais chez Dilo. Alors, on surveille ça. Jusqu'à 1 milliard indiens du nom de... Les noms de nouveaux espèces de dinosaures, c'est ça. Bon, on va préparer le Baryonyx. J'espère qu'on aura le temps de le faire. Comme ça, on les casera tout de suite. Alors, le Baryonyx. Il vivait en Angleterre, de ce qui était indiqué. Océanique, non. Tropical, non. Je vais lui mettre le gène océanique à lui. Ça lui irait bien puisque l'Angleterre est l'océan. Voilà. Alors, l'espérance de vie, il va falloir la monter. 77. J'ai vu un 97 passer. 117. 44. J'ai mis 144 là. Et 164. Et je sais que les Baryonyx de tête, ils peuvent vivre en duo. Voilà, ça c'est fait. Donc là, je vais essayer de choper une photo si jamais ils arrivent à sociabiliser entre eux. Et justement, en fait, là, l'enclos... Ah, il y a un nouveau dinosaure décédé. Où ça? Ah, c'est la volière. Bon, là, les pteranodons, ils tiennent. Alors, c'est pas lustre, on va retirer. On va modifier la taille apparence, pas lustre. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de choper deux raptors qui interagissent, mais ça va être compliqué, je pense, pour le moment. Tu me diras, je m'attendais pas à voir le succès du... Ils sont où les raptors? Se déplace. Panique. Pour le moment, on va laisser tomber. On a vu qu'il y avait encore une mangeoire qui avait besoin d'assistance. Ok, c'est pas mal. Donc là, on va préparer l'enclos des Baryonyx. Donc on va faire à peu près la même idée que le Spino, puisque comme c'est deux créatures de la même famille. Donc au cas où, pour ceux qui auraient loupé, qui voudraient voir les précédents replays, ben, ce sera sur la chaîne YouTube dès que je ferai le découpage et tout. Donc... pour aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc là c'est bien, on va faire ensuite au enclos. On va mettre poisson. On va mettre des cailloux. Ou qu'il y a eu un nouveau mort. Ah bon, voilà, c'est tous les pteranodons. Ils rendent l'âme les uns après les autres, mais ça va globalement. Donc là, c'était le gène, le jungle. Voilà, parfait. Il est où le sixième? Donc, pour le moment, ça va. Donc j'ai pas mis de son de musique parce que bon, pour éviter de me faire striker, quoi, tout simplement. Donc là les barils sont quasiment au bout.
Et je vais rajouter, je vais être sympa aussi. Où est-ce qu'il est? Hop, donc on va faire le truc des chèvres. Là, tu peux pas le mettre. L'exploration de nouvelles. Voilà, ok, ça c'est fait. Une expérience plaisante. Elle peut même s'avérer une plongée. T'as quoi comme dino? Bah, je vais te faire le tour dès qu'on. Alors, dès qu'ils sont terminés les deux là, il y a tout. Il y a du grand herbivore, donc. Ici, je te présente les dilophosaures. Ceux qui ont craché, celui qui a craché à la gueule littéralement de Dennis Nedry, son venin. Ils sont 12. Ils sont tous seuls dans l'enclos, bien sûr. L'enclos détrissé. Donc, ils sont 6. Peut-être que je rajouterai les styracosaures plus tard. Alors là, tu entres dans l'enclos des hadrosauridés. Donc, voici un corythosaure. Un maiasaurus, ou maiasaura, en version courte. Et tu as un hantbarosaurus, mais c'est un parasaurus que j'ai renommé. Et justement, comme tu viens de débarquer face moi, je vais te renommer un dinosaure à ton. Que je vais choisir. Alors. Donc, ensuite, ici, on a les stégosaures. Là, on a trois espèces dans ce même enclos. Donc, les dryosaurus. C'est des petits herbivores. Les plus petits pensionnaires du parc, que tu connais peut-être grâce à la licence, les compsognathus. Bon, ils sont pas verts, hein, là, ils sont rouges. Et enfin, pour compléter cet enclos merveilleux, alors ça je vais le faire après, les apatosaurus qui sont des sauropodes déjà. En face, on a un autre enclos donc avec des brachiosaurus, ensuite là on a une autre variante de sauropode, le mamanchisaurus, donc il est un peu plus grand que le brachiosaure quand tu regardes. Et on a une petite troupe de gallimimus ici présent. Donc là, on est en face de ce temple-là. Ici, on a un trio de chasseurs de choc du Jurassique. Je te présente les ceratosaures, ils sont 3. En face, nous avons l'immense enclos du sol et de l'unique du Tyrannosaurus Rex, renommé King CG Rex, une des stars de ce parc, le dinosaure le mieux noté. Oui, monsieur, le mieux noté, vous avez bien entendu. Et enfin, c'est pas encore fini. Enfin, nous avons deux magnifiques Spinosaurus qui s'appellent Mitrandir et Thanos Ball. Qui aiment bien se faire la guéguerre en ce moment. Mitrandir qui a repris son statut d'alpha d'ailleurs. Bref, petite parenthèse. Et enfin, les vicieux, les puissants Raptor. Vélociraptor, ils sont 6. Donc voilà, et là on va rajouter les baryoniques. Bah tiens, justement j'ai une idée. Je sais quel dinosaure je vais te mettre, toi. Voilà, cadeau. Ceratosaure, un bon carnivore. Et là on va lâcher tout de suite les deux pteranodons avant de partir. Et je vais voir pour transférer tout de suite les baryoniques. Au moins ce sera fait, Ça sera la note de fin de ce stream et de cette VOD. Et en plus, Lee Sattler me le demandait de voir des Baryonyx. Parfait, j'ai failli foutre avec les spinous, on va éviter la boulette. Et toi, tu vas aller me réparer. Oh, y'a pas de quoi, Phasma, y'a pas de quoi. Donc on doit faire une vitesse d'incubation 2.0 à la volière, mais on va vite faire ça pour le changer. Alors 2.0. Ah, vous avez entamé ce chantier. Parfait. Mais n'oubliez pas que ce qui compte, ce sont les projets achevés. Ça y est, nos deux Baryonyx vont spawner, alors on va voir un peu s'ils sont satisfaits ou pas. Ça a l'air. Ouais, les deux Baryonyx ont l'air ravis. Qui monte la note à. On a les 18 espèces, donc ça c'est accompli. Donc si tout va bien, demain
on va terminer, on va essayer de mettre toutes les espèces possibles et imaginables de ce DLC. On en a déjà 18, donc il nous en resterait 7. Donc ce qui est bien, c'est que là, tout ce qui est styracosaure, ça va aller là. Styraco et taurosaure. Ici, on va essayer de faire un autre enclos, deux autres enclos pour des petits carnivores, donc les meutes de protocératosaure et de herrerasaure de chaque côté. Et là, au centre, je pense qu'on mettra les métriacanthosaures. Et comment il s'appelle, métriacanthosaures. Attends, il y en avait un autre là que j'ai loupé. Ou alors, à moins que j'ai mal compté. Je vais revérifier, attends. Avant de s'arrêter, hop. Ah oui, il faut aussi que je mette les ankylosaures. Je les ai pas mis, ou encore. En vrai, je pourrais faire un enclos ici. Genre, tu mets là les ankylosaures et ça passe. C'est deux espèces qui peuvent cohabiter en plus, donc ça, c'est cool. Et là, on aura le parc qui aura toutes ces espèces. Ouais, je pense que ça va être le bon plan. Donc voilà les programmes de demain. Donc j'espère qu'en tout cas ça vous a plu cette VOD YouTube. On va y arriver petit à petit. On est quasiment, on a fini le DLC, mais on continue de faire toutes les espèces pour essayer. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine YouTube. Prenez soin de vous. Ciao ciao.